veux les petits poulets. Alors aujourd'hui, on est, vous avez vu, devant la commanderie, le centre Robert Dreyfus. En plus, ils ont viré ce matin Michel, l'entraîneur, a enfin une bonne nouvelle. C'est une victoire qui fout le why un peu, nos supporters adorés. Foutre le why, j'en profite. Foutre le why, ça vient de l'italien, le why, le guay, le guay, le bazar. Alors, c'est pas parce qu'on est à Marseille, quel âge de coupe dans le quartier, qu'on prend les choses au premier degré. C'est du sens figuré. Foutre le why, c'est foutre le bazar au sens figuré. Quand Marcelo Bielsa est arrivé ici il y a 2 ans, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait 500 ou 1000 personnes qui l'ont accueilli. Bras ouverts, banderole, chant, patati patata, ici. Mais là, il y avait le why, mon pote. Il y avait de l'ambiance. Tu comprends ? Il y avait de l'ambiance. Quand on est allé voir Soprano, la dernière au Dôme, 2 jours avant OM-PSG, qu'il y avait des psychiatres de la rime tout entier, qu'il y avait Basilou qui est venu faire un coucou, notre Basile Boulay qui est revenu aujourd'hui, hein, remplacer Michou Michel. Là, il y avait le why, 1500 personnes qui chantent aux armes dans le Dôme. Je ne dis pas le feu, mon pote. Et ça, il n'y a qu'à Marseille que tu le vois, que tu le vis. En tout cas, le guay, napolitain, qui finit le guay, qui signifie le baba. Capito, si tu n'as pas compris, tu mérites.